I sing, oh. It feels like a dream, cause with you on my team, I'm winning. I'm winning. Yeah, yeah, nah. Nothing's gonna hold me back. Oh, no, nothing's gonna stop my praise. Oh, no, nothing's gonna keep me silent. I say it from the rooftop. De Jésus, est-ce que c'est le 25 décembre ou il y a une autre date pour la naissance de Jésus? Nous allons lire, je t'amène dans Luc le chapitre 1, le verset 26, qu'est-ce qu'il nous dit? Luc chapitre 1, le verset 26, il dit ceci que le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. On dit bien le sixième mois, l'ange de Dieu, Gabriel, fut envoyé dans une ville de Galilée, du sixième mois. Et le sixième mois ici, il ne s'agit pas du calendrier chrétien ou du calendrier romain. Il s'agit ici du calendrier juif. Donc, il s'avère que le calendrier juif, par rapport au calendrier que nous utilisons actuellement, le premier mois du calendrier juif correspond au mois d'avril de notre calendrier. Donc, le sixième mois du calendrier juif, donc si nous partons à partir d'avril, nous avons avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, le sixième mois du calendrier juif, où l'ange a apparu à Marie, correspond au mois de septembre de notre calendrier. Donc, l'ange apparaît à Marie et Marie tombe enceinte parce qu'elle a accepté l'offre de Dieu qu'elle devrait accoucher un enfant, un fils, qui est appelé du nom de Jésus. Donc, le sixième mois, Marie connaissait déjà, avait déjà sa grossesse. Donc, elle avait déjà sa grossesse. Or, il s'avère qu'une grossesse, la grossesse normale d'une femme, fait 9 mois. Donc, nous allons de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, c'est le 9e mois que Marie devait accoucher. Donc, le 2e mois du calendrier juif. Donc, Jésus est probablement né le premier mois ou le deuxième mois du calendrier juif. Nous retenons ici le 9e mois qui est le deuxième mois du calendrier juif. Donc, qui correspond
sont au mois de mai de notre calendrier. Donc, nous pouvons dire que Jésus n'est pas né le 25 décembre, comme on le fait souvent. Mais Jésus est né en mai. En mai. Maintenant, pourquoi fêtons-nous Noël le 25 décembre, c'est-à-dire la naissance de Jésus? Je dis bien que c'est la naissance de Jésus, ce n'est pas la naissance du Christ, parce que le Christ, c'est le Logos. On dit qu'au commencement était le Logos, donc au commencement était la parole. Donc la parole ne peut pas avoir de naissance. La parole est. Donc, le Christ, qui est un état de conscience supérieure, ne peut pas l'être. Donc, il n'a pas d'origine. Parce qu'il est au commencement. Donc, il est inclus. Donc, ici, nous parlons de la naissance de Jésus, qui est devenu Christ. Qui est devenu Christ, donc illuminé. Donc, Jésus, pourquoi on ramène? On ramène la date du 25 de mai au 25 décembre. Pourquoi? Parce que lorsque l'Église a quitté Jérusalem, l'Église est arrivée à Rome. Lorsque l'Église est arrivée à Rome, c'est là qu'on va martyriser Pierre. Et voilà, les chrétiens de l'ancien temps, ces chrétiens, ces premiers chrétiens, ils étaient persécutés. Donc, l'Église chrétienne était considérée comme étant une secte qui était persécutée. Et voilà d'où on a martyrisé la majorité des apôtres du Christ. Voilà, donc Pierre est mort, il fut enterré dans un cimetière qu'on appelle Vaticanus. Et entre-temps, les disciples allaient, les chrétiens allaient souvent entretenir la tombe. Et lorsque cette secte chrétienne sera acceptée par après, par l'empereur Constantin, c'est là où ces chrétiens vont montrer l'endroit où se trouvait l'apôtre qui était représenté comme le chef des apôtres, Pierre, à qui on a remis les clés de l'Église, le Christ a remis les clés de l'Église, et qu'il a dit que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église. Donc, c'est là où les apôtres sont ont montré la tombe aux nouveaux venus de l'Église, qui ont accepté, l'Église a été acceptée officiellement. Et comme c'est lui la pierre, cette pierre qui devait être bâtie l'église, ce cimetière qu'on appelle le Vaticanus, qui est devenu Vatican aujourd'hui, et c'est sur cette tombe de pierre qu'on a construit la basilique Saint-Pierre du Vatican. Et à l'autel, juste à l'autel, sous l'autel, où se trouve la tombe de Pierre. Bien, maintenant, le 25 décembre, lorsque les Romains ont pris l'église, les Romains étaient un peuple païen qui priait des dieux divers. Et voilà, il existait un dieu qu'on appelait le dieu soleil. Et le dieu soleil a été donc il y avait une fête du dieu soleil, la fête du dieu soleil était célébrée le 25 décembre. Mais il savait que les pères de l'Église, en ce moment, reconnaissaient en Jésus la sagesse solaire, le génie solaire. Soleil ici, ne veut pas dire le soleil physique, mais ça symbolise la conscience christique. Donc l'intelligence christique, le soleil, qui symbolise la conscience universelle, qui n'est autre que le Christ. Donc, le 25 décembre, où l'on célébrait le soleil, vécu le nouveau père de l'Église, en
il était mieux de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre parce que Jésus est Christ, le Christ qui est la sagesse de la terre, qui est le grand soleil qui émane de toutes choses. Donc, ils ont pris cette date. La naissance de Jésus, Christ de Nazareth. Donc, cette date est symbolisée par le printemps, l'hiver, le printemps. Et quand il y a le printemps, il y a le soleil. Pendant l'hiver, il n'y a pas de soleil. Il y a la nature, n'est pas fréquentable, la nature est froide. Voilà. Et quand le printemps arrive, il y a le soleil. Il y a la vie qui recommence, il y a les plantes qui reprennent leur feuillage, leurs fleurs, et voilà, il y a une renaissance au niveau de la nature, et cette renaissance est symbolisée par cette vitalité que le Christ, que le soleil donne à la nature. Donc le Christ qui vient, c'est lui qui vient transformer l'être humain dans sa nature. C'est le Christ qui vient donner de la lumière, qui vient donner la vie à l'homme. D'où il y a eu le prophète, comment on l'appelle, le prophète Jean-Baptiste, qui vient pour préparer la venue du Christ, pour éradiquer dans le cœur des humains tout ce qui est mauvais, tout ce qui est, il fallait se confesser, il fallait se repentir, parce que le Christ qui devait venir ne devait pas trouver dans le cœur des gens une saleté, mais c'est lui qui devait ouvrir les cœurs des hommes propres et qui devait les raviver, qui devait donner la vie, voilà, aux êtres humains. C'est pour cela que le 25 c'est la date du Christ. Moi, je ne dis pas que c'est la naissance du Christ, mais c'est la manifestation dans sa plénitude du Christ sur la terre pour redonner la vie à l'homme et à la nature. Voilà pourquoi cette date a été célébrée de Noël, le 25 décembre, la date de la naissance du Christ, qui n'est pas la réelle date de la naissance de Jésus. Voilà. Donc, le Père de l'Église a eu cette philosophie présentée. Donc, cette date est aussi, je dis, est importante pour les hommes, pour la foi de l'homme, parce que l'homme doit se reconstruire, l'homme doit changer, et que le Christ doit prendre corps, doit prendre vie dans le cœur de toute personne pour raviver tous les cœurs des hommes. Voilà ce qui est la date du 25 décembre. Voilà, qui part d'une fête païenne. On peut aussi dire que nos ancêtres, n'avaient peut-être pas tort. Nous allons peut-être dire que c'était des chrétiens sans le savoir. C'était des chrétiens sans le savoir parce qu'ils n'étaient pas en train d'adorer le soleil physique, mais ils étaient en train de voir dans le soleil, le symbole du soleil, une conscience universelle qui peut-être eux appelaient autrement, mais que nous appelons Christ, l'illumination universelle. Voilà. Pendant qu'on peut garder ce qu'on appelle ça, la date du 25 décembre, mais en l'amenant en disant que comment on appelle ça, sa vraie date peut être en avril ou en mai. Pour moi, selon moi, on peut laisser cette date comme étant le 25 décembre, mais seulement il faudrait expliquer aux gens ce que c'est. Il faudrait expliquer aux gens que cette date allait, voilà comment on avait. Mais malheureusement, l'Église cache certaines vérités qu'il ne veut pas dévoiler. Pourquoi? Pour pas montrer un peu son côté, où elle a adhéré certaines idées.